Bonjour à tous les nuages, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du let's play de Resident Evil 7 que j'ai fait sur Twitch, donc en rediffusion. Et là, pas comme d'habitude, vous me voyez en face à face avant le début de la rediffusion parce que tout simplement, je l'avais dit, mais il y a tout un passage que je n'ai pas en rediffusion, malheureusement. Ça ne s'était pas enregistré, donc il y a tout un live, donc c'est de 2 à 3 heures que je n'ai pas et que je ne peux pas vous montrer. Donc je vais vous faire un résumé assez rapide avant de vous montrer la suite directement. Si vous voulez, si vous connaissez déjà, bah n'hésitez pas à aller à ce temps. En tout cas, pour rappeler, eh bien on cherchait la troisième tête de chien et apparemment elle était dans la salle de dissection, sauf que je m'embêtais à aller dans cette pièce où il y avait plein de monstres et où à la fin j'avais pas la clé pour passer à la pièce d'après. Et en fait c'est que j'ai oublié une pièce avant, donc c'est la salle d'incinération que j'avais oubliée. J'ai tout simplement pas ouvert la porte quand je suis passée devant. En tout cas, dedans cette pièce il y avait une petite énigme pour savoir dans quel truc il fallait trouver la clé. Donc il y a eu des monstres, j'ai eu peur évidemment, mais bon, en tout cas j'ai trouvé la clé pour la pièce qui était fermée à clé pour aller à la salle de dissection. Et c'est aussi là-bas qu'on trouve la clé scorpion, si je dis pas de bêtises. En tout cas, et eh bien tout simplement je suis retournée à cette pièce fermée où il y avait plein de monstres. Là en effet on arrive dans une pièce où on voit Baker de l'autre côté, mais nous ne nous voit pas, et il y a la tête de chien, mais au moment où on veut la prendre, Baker la récupère et part dans une autre pièce si je me souviens bien. Donc tout simplement nous on arrive à faire le tour pour arriver dans une grande salle qui je pense est la salle de dissection justement, un truc comme ça, je m'en rappelle plus exactement hein, j'essaye de vous redire en souvenir. En montant un petit peu on voit qu'il y a la tête de chien qui est vraiment en évidence, donc c'est sûr qu'il va se passer quelque chose quand on va la prendre. Évidemment quand on la prend, eh bien il y a Baker qui nous attrape par derrière, qui nous fait tomber en bas, et en bas c'est une zone de combat, clairement on va combattre le père Baker, et là après on le combattra plus jamais, c'est le dernier combat qui est assez un petit peu compliqué, il y a des corps qui pendent et tout et qui peuvent justement le gêner quand on le quand on les pousse contre lui. Lui il a une espèce de d'énorme cisaille pour nous couper et nous au bout d'un moment très rapidement même on arrive à avoir une tronçonneuse dans le truc, donc pour tout simplement bah essayer de le tuer. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai fait 2 ou 3 fois. Bon, je l'ai pas réussi du premier coup, ça c'est sûr, mais je crois que c'est la 2e ou 3e fois, pas plus. Et après, c'est bon, on peut passer à la suite. Du coup, on peut retourner dans le hall de la maison et grâce à la clé scorpion, on peut aussi aller dans la chambre de la grand-mère pour récupérer le fusil qui est en fait un fusil cassé, mais du coup, il va nous permettre de pouvoir le remplacer avec le vrai fusil qu'il y a sur le buste et qu'on ne pouvait pas parce que à cause du poids, la porte se fermait. Donc là, on récupère un vrai fusil, ce qui est plutôt pas mal parce qu'il fait pas mal de dégâts le fusil. Et avec la troisième tête de chien, eh bien on sort enfin de cette maison, sauf que ce n'est clairement pas du tout fini. Donc du coup dans la zone dehors on arrive, enfin on voit directement une caravane qu'on avait déjà vue d'en haut, mais non, dans la caravane c'est une safe zone, donc c'est une zone de sauvegarde et tout. Je crois qu'on reçoit sûrement un coup de téléphone de Zoé, je m'en rappelle plus exactement, mais il y a un téléphone là-bas. Il y a aussi pas mal de choses enfermées, genre comme des armes, des munitions peut-être, ce genre de choses, je m'en rappelle plus exactement, qu'on peut avoir grâce à un nombre de pièces qu'on met dedans. Vous savez les pièces antiques que des fois je récupérais, et bien grâce à ça on pouvait avoir certaines armes qui étaient plutôt pas mal, mais je vous avoue qu'il me semble que j'ai rien pris moi pour ma part. Je me suis pas cassé la tête avec les armes, j'avais déjà ce qu'il fallait, de toute façon j'avais plus de place sur moi. En tout cas le but après c'était d'aller au nord-est pour aller dans la vieille maison, là où tout s'est passé, la cinématique avec la cassette de Mia. Donc arrivé là-bas il y a des insectes partout, des insectes énormes, il y a des araignées sur les placards, il y a c'est vraiment horrible. Franchement c'était horrible, mais bon, en avançant petit à petit bah on récupère des combustibles et un lance-flammes, donc on peut cramer les insectes et ça c'est plutôt pas mal. Plus loin encore on récupère une statuette en pierre qui est pour le tableau d'araignée. Il faut faire l'ombre de l'araignée pour ouvrir le passage, et c'était dans la cassette de Mia d'ailleurs. On continue ce passage et on se retrouve aussi à un moment donné bah, là où Mia s'était fait attraper dans la cassette. Il y a une manivelle qu'il faut récupérer en remontant, et bien tout simplement grâce à cette manivelle on va pouvoir baisser une passerelle qui va nous permettre d'aller à un endroit où il y a la clé corbeau. Et au moment d'utiliser la clé corbeau devant la porte, et bien il y a Marguerite, donc la mère, qui surgit tout d'un coup pour nous faire tomber dans un puits où on peut pas remonter, mais il faut justement avec le lance-flamme essayer de la faire descendre pour que nous on remonte, et du coup après elle va se barrer dans un conduit. Là il est temps d'aller du coup derrière la porte de la clé corbeau, et c'est dans une pièce au fond un peu plus tard qu'on trouve un hôtel où il y a des instruments
instructions pour fabriquer un sérum. Et c'est ce sérum qui va pouvoir de sauver Mia et Zoé par la même occasion. Une fois qu'on a les instructions, eh bien, il va falloir qu'on ait la lanterne que tenait Marguerite tout le long. Donc il faut la poursuivre tout simplement. Donc on redescend dans le puits, on la poursuit et là bah, c'est le gros combat contre Marguerite. Malheureusement vous avez loupé deux gros combats avec la rediffusion. Marguerite est en mode avec des bras ultra longs, des jambes ultra longs et qui marche à quatre pattes comme un insecte. En fait c'était horrible, elle passait partout sur les murs et tout pour la tuer, c'était horrible. En plus elle avait un espèce d'énorme ventre comme si elle était enceinte, mais c'était horrible, on aurait dit qu'elle allait accoucher d'insectes ou ce genre de choses, c'était vraiment horrible. Mais je crois que c'est pareil, au bout de deux ou trois fois j'ai réussi et en plus quand j'ai réussi j'avais plus rien après hein, parce qu'elle était quand même assez dure à battre. Et du coup à la fin du combat, eh bien on récupère la lanterne et là je suis retournée ensuite dans la caravane pour sauvegarder tout ça et c'est à partir de là que vous pouvez reprendre la suite. J'espère que ça a été assez compréhensible et pas trop long pour pas vous avoir perdu, mais bah c'est parti pour la suite. Pourquoi c'est ton dernier live horreur? Non, c'est mon dernier live horreur en unicorn. Après, je mets plus le costume. C'est ça le truc. Je suis où là? Ah oui, c'est vrai, je suis dans. Mais attendez, elle était pas censée m'appeler? Ah non, faut que je trouve. Ah oui. Est-ce que j'ai la lanterne du coup? Attendez, faut que je récupère mes touches à chaque fois là. Oui, j'ai la lanterne, elle est là. Bon, par contre, ça ne dit pas. Je suis paumée moi toujours. Ah, mais non! La vieille maison, c'est ça aussi. Je suis bête. Donc oui, il faut que... Ah, punaise, c'est bon. Oh là là, je vais y arriver, hein. Ouais, il faut que j'aille par là. Putain, j'ai cru que c'était l'autre maison. C'est pour ça que je comprenais pas. C'était par là-bas. Bah oui, voilà, c'était là, c'est bon. Je préfère Mokona, elle a l'air... Mais c'est un garçon. Alors, faut pas croire parce que... genre, par exemple, Mokona, il a tellement peur de... tout le monde... quand il connaît pas, qui va rester planqué dans une pièce et que même pas il va sortir pour aller pisser ou quoi que ce soit. Hein. Donc du coup, genre potentiellement, c'est déjà arrivé. Il a déjà pissé dans la valise de Marianne par exemple. Il a déjà pissé sur notre lit alors qu'on dormait dedans. Oh finesse, tu nous montres ta collection en réel. Eh ben exactement. Quand je sais pas, là par contre c'est un peu compliqué. C'est là, hein. Il aura peur de nous. Ouais, mais alors, ça veut pas dire qu'il va pas vous faire des saloperies, hein. C'était par là, je crois. C'est devenu un bug stream. D'où il y a un bruit de piano, là, en fait. Qui c'est qui a tapé sur le piano? Faut pas faire ça, en fait. On avait lu, hein. Ouais, si, c'est bon, on avait lu ça. Ça aussi, on avait vu, hein. Ça, je sais pas si on avait ouvert. Beauté, elle, elle fait pas ça. Elle est très câline, Beauté. Je vois un... Alors, attendez. Je vais prendre ça, là, parce que ça doit être une bestiole, là. Ah, mais non, mais je suis bête, c'est les lucioles qui font ça. On recule, hein. On sait jamais. Bah, c'est moi, je sais pas en jouer. De quoi? Esprit, es-tu là? Oh, qu'il est temps d'ouvrir les festivités. Putain, pardon. Merci beaucoup, Tsubaki, pour les 22 bits. Merci, putain, tu m'as fait peur. Ah, oh, putain. Oh, mais il y a un crocodile. Ah non, c'est une peluche, ça va. Oh, je suis en stress. Il y a des... Des jouets. Mais il fait flipper le crocodile. C'est quoi? Y'a rien. Je peux pas lire. Mais non. C'est pas ça là. Mais j'entends des bruits et tout. Trop mime, c'est la peluche. Ouais Ah mince, j'ai cru que c'était une armoire, mais non. Elle est dans l'autre sens. Oh, j'aime pas, on y voit que dalle.
Mais punaise, mais j'entends des bruits là. Pourquoi le ballon il a bougé là? D'où il bouge? My family. C'est un peu flippant. Evelyne. Franchement, si votre enfant fait un dessin comme ça, faudrait se poser des questions. Hein. Ok? On a des petites chaussures. C'est très mimes tout ça. Ouh! C'est Crocodile Dundee. Welcome. Merci beaucoup Tsubaki. Merci. Il y a quelque chose là-bas, non? On peut pas passer. En plus, il se passe rien, c'est bizarre. Bonjour monsieur, sans tête. Encore un ballon. Ah. Oh putain, c'est dégueulasse. Merci beaucoup Adeline pour ton follow. Bienvenue sur le live. Comment ça va? Comment ça, Bob l'éponge? Merci. C'est pour faire parler les peureux, c'est ça? Ça, c'est pareil, hein. Qui c'est qui a fait ce dessin, là? Je comprends même pas à quoi ça ressemble. Ah, mais si, c'est un bateau. C'est Titanic. Le gars a fait Titanic, en fait. C'est Teddy. Non mais attendez, il y a des bruits bizarres quand même, hein. Il y a quand même des bruits très bizarres. Ok, tout ça pour que dalle, en plus. Je suis où, là? Ok, c'était la chambre d'enfant, sans blague. Ah oui, du coup, on est de l'autre côté. Ah, on est de l'autre côté, là. Ok. Oh non, me dites pas. Il va y avoir encore des bestioles, là, hein. C'est horrible, mais putain, pourquoi? C'était quoi ça? Il y avait des chauves-souris, c'est ça? Quelque chose ne va pas chez elle. Sans blague. D'où la porte, elle se ferme toute seule aussi, là. Non, c'est des sacs, en fait, c'est pas des... Ça fait flipper aussi. Oh, je viens de me redécouvrir mon enfance, j'ai dessiné ça. Ah ouais, Jack Sparrow, comment ça Jack Sparrow? Pourquoi tu parles de Jack Sparrow? D'ailleurs, j'ai commencé à regarder le 2 des Animaux Fantastiques. Non mais ma lampe, faut pas que tu me lâches là en fait. Ah, ah putain. J'ai pas envie de me retourner. Comment ça ne t'approche pas? Un ballon. Oh là là. Ok, il y a un lit. Une maison de poupée. Oula, c'est un plan ça. Ok, donc il y a un truc. Il y a un truc ici. Putain. Ça m'a fait flipper. Je savais qu'il y avait un truc, mais ça m'a fait flipper quand même. Hein. Je regardais quand même s'il n'y avait pas quelque chose. Pourquoi il faut aller dans des endroits sombres comme ça? Ah, il est là l'hôtel. Oh, c'est tellement... Mais what? Ah, il va lui piquer son brin? Oh mon dieu, j'imagine que c'est ça. Ah, ah, c'est dégueulasse. Ah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Est-ce que vous voyez... Vous, en plus, vous voyez moi. Il y a quelqu'un au fond, là. J'ai pas envie d'y aller. Va-t'en. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Ça te fait rire, cette émote? Oui. Là, c'est trop... Là, je peux pas, là. Hein. Mais non, mais vas-y, va-t'en.
Ah, c'est bon. Ouais, mais est-ce que... je sais pas si ça me rassure en fait. Elle est où? Elle est où la petite fille? Moi j'aime pas quand il y a des petites filles, ok? C'est quoi cette musique là? Ah ah putain! Non non non, arrête 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 arrête! Non mais putain, pourquoi? 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 Non mais qu'est-ce que je fais? 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 Attendez. Parce que il faudrait que... faudrait pas que j'utilise toutes mes balles en fait. J'ai pris peur, je suis désolée hein. C'est bon là? D'ailleurs, il faut aller où pour fabriquer le sérum? C'est quoi ces bruits là? Mais pourquoi c'est si oppressant là? C'était pas oppressant tout à l'heure quand on... Ah ah oh, putain. Non, 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 mais non, mais c'est bon. Oh, putain, je suis sûre que j'en entends un autre. Non, c'est bon. C'est où? Non, c'est pas par là. C'est pas où la sortie, s'il vous plaît. C'est bon. Oh, mais cette musique. Ah, putain, si, y en a un là. Ah, j'en ai un gros en plus. Merde, moi je suis morte. Je m'étais dit que c'était bon, mais non. Il était là, non? Il était pas là? Oh, cette musique, j'en peux plus. Ah non, je crois qu'il était là, non? Ah oui, il était derrière là. Rapidement lui. Oh punaise. Je sais pas si ça marche bien. Ah, j'ai pas l'impression que ça marche bien. Oh là là. J'ai plus de balles, hein. Tu te débrouilles bien. Ah, merci, mais ouais, ça fait la troisième fois que j'étais morte aussi. Au même endroit, hein. Quand même, hein. Dis que moi, c'était le dernier. C'était le plus gros méchant.
Du coup, forcément, c'était le dernier, non? Forcément. Ça serait logique. Bob sera toujours vivant. Non, non, justement, c'est plus gros, drôle quand tu cries. Je dis pas qu'il y en a un autre. Qui c'est qui a éteint la lumière, là? Personne n'éteint la lumière, ok? D'ailleurs, je dois le faire où, mon... Je dois le faire à l'hôtel? Non, mais je sais plus. Je sais plus. Parce que fabriquer le... C'est... Ah de vérité. Bah, coucou, crève quoi? Ah, mais oui, le chrono pour la prédit, putaise. Je suis trop nul. Désolé. Hop, c'est parti. Putain, qui c'est qui? Il est où le téléphone? Ah, il est là. Je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Je t'attends dans la caravane. D'accord. Non, je dirais pas. Faut retourner dans la caravane, ok. J'ai peur qu'il y ait quelque chose qui m'attende là. On va se dépêcher, hein. Allez, on se dépêche, hein. Oh, Elise, t'as pris le VIP. Attends, je te fais ça juste après. J'attends d'être en sécurité parce que là, je me sens pas très, très en sécurité. Je me sens pas très, très en sécurité. Je suis la crème de la crème. Ouais, le screamer rajoute tellement de pression, mais tellement. Oh non, j'ai raté le lab. Coucou, Orion. Non, c'est bon, t'as pas raté, t'inquiète. On a commencé assez tard. Ok. On écoute ce qu'elle nous dit dans le téléphone et après je te mets le VIP, Alice. Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? Hé, mon pote, j'ai un truc à dire. J'ai décidé que Zoé avait besoin de faire un break. Oh non. Elle et Mia sont avec moi. Elles se tiennent mutuellement compagnie. Laisse-les partir. Qu'est-ce que tu leur veux? Non. Activité. Oh, sois patient. T'inquiète pas. Elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote. Oh non, qu'est-ce qu'il veut? Jeter un coup d'œil dans le frigo de la caravane. Va te faire foutre! Eh, hey, faut pas être vulgaire là! C'est pas parce que tu vas te faire tuer qu'il faut être vulgaire, hein! Bah, je crois qu'il a un peu faim, le mec, quand même. Hein. Pourquoi je sens le monstre qui pop dans un téléphone? Non, ça va. Logiquement, bah, c'est à nous donner des indices et tout. C'est la voix de Samy dans Scooby-Doo. Non, il a pas cette voix-là. Il y a sûrement des yaourts arrivés. Tête à finir. C'est ça, la tête? Ah, c'est dégueulasse. C'est écrit quoi? Le flic t'attend dans la salle de dissection tocard. Ah non, c'est le... Ah, c'est la tête du flic! Mais pourquoi il a un truc de monstre? Mais du coup, je le prends pas? Je le prends pas avec moi? Du coup, c'était pas la... C'était pas ça. On est d'accord que... Pièce antique. Je peux pas utiliser ça? Ah, ça veut dire qu'il faut en mettre 8 dedans pour récupérer le truc. Mais est-ce que c'est avec des balles ou pas? On va sauvegarder. Attendez, parce que d'ailleurs, je peux pas fabriquer d'autres trucs.
Munitions améliorées de pistolet. Ah non, je peux pas, j'ai pas de... Ah, je peux faire ça aussi, non? Mais ça, ça va m'en donner des... Ouais, mais ça va pas me donner dans le pistolet, je crois. Attendez, j'ai quoi comme arme, là, déjà? Ah oui, j'ai le truc de fusil, mais j'ai pas de... Bon. Merde, il a dit qu'il fallait que j'aille où? Trouver les ingrédients du sérum. Reprendre à Lucas l'ingrédient du sérum. Ah, faut que je trouve le corps du poli... Oh, punaise, il était où, déjà? Si, il était dans la salle de dissection. Il était dans la salle de dissection, oui. Punaise, faut que je redescende. Je crois qu'il faut que je redescende. Ouais, c'est par là. Ah oui, ben si. Je devrais m'en rappeler d'ici. Vu le nombre de fois où je suis morte ici. Ça parie pop, les trucs. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là, la mémé? Mais c'est pas un endroit pour faire sa sieste, ta mémé, hein. Genre, franchement, t'aurais pu trouver un meilleur endroit, hein. Elle est vraiment chelou, hein. Léa fait échange de voix. Oh, punaise. Alors... Ça va être une horreur pour vous, hein. Attendez. Allô? Ouais, je crois que ça marche. Est-ce que ça marcherait pas? Si, je crois bien que ça marche. Alors, on va faire un petit chrono. De 5 petites minutes aussi. Alors, franchement, j'espère que j'aurai pas à crier avec une voix comme ça, ok? S'il vous plaît. Y'a personne, hein? J'espère qu'il y a personne. Oh punaise, elle me regarde en plus. Il est là, le bec, normalement. Il était pas là, le mec? Je crois qu'il était là, le mec. Il est plus là, le mec. Oh putain, il est plus là, le mec. Hop. Oh, attendez, vous voyez plus. En fait, vous voyez. Pourquoi vous voyez plus là? Ah mais. Oh punaise. Ah bah, vous étiez sur pause, hein? Je suis pas d'accord là. Ah, c'est pas moi qui ai rigolé comme ça, hein. C'est l'autre là. Où ça fait un bruit comme ça? Et en plus, c'est quoi cette image là, s'il vous plaît, là? On fait pas flipper quand c'est les temps d'attente, ok? Ça va très bien, petit garçon! J'ai chaud. J'ai très chaud. J'ai ultra chaud. Fais gaffe aux liqueurs! Comment ça, liqueurs? C'est quoi les liqueurs? Je reviens, on dirait une cassette VHS. Tu peux faire des bruits comme ça en fait. Coucou Carou! Comment ça va? Ah d'accord, ok, je reviens là encore. Il y a un cul qui... Oh non! Oh non! Oh putain! Mais arrêtez! On tape pas dans les portes! C'est pas possible! Non mais par contre, j'ai que 3 balles! Oh merde! Par contre, c'est pas beau. Ah, putain, c'est vrai qu'elle est là.
Est-ce que je peux lui tirer dessus à la mamie? Elle fait peur quand même, hein. Elle fait pitié un peu aussi, hein. J'ai trop chaud là, en fait, hein. On a pris cher, mamie. Ah ouais, non, mais elle a clairement pris cher. Donc du coup, c'est par là-bas. Oh. Mais je vais pas y arriver, déjà c'est 2 balles. Quoi? Vous voulez où j'arrive? Je suis Pokémon avec cette fois. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans le pire. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Oh punaise, c'était horrible. Maman, j'utilise pas cette voix au boulot, c'est bizarre, hein. C'est vrai, franchement. Mais par contre, là, le truc, il va me tomber dessus. Je vais pas pouvoir, en fait. J'ai que 2 balles. Oh putain! Ouais. Ah putain! Ouais, j'ai l'impression que ça fait quelque chose, hein. Ça fait quelque chose. Oh putain, faut que je recharge. Il est mort. Oh trop bien, ça a marché. Ça a marché. Ah ouais, non mais parce que sinon je voyais pas du tout comment faire là, hein. Mais il y en a d'autres qui vont popper, je suis sûre. Parce qu'il était là, hein, le... Ah, il est là. Une puanteur douceâtre se dégage. Son corps doit être en état de quoi? De rigor mortis. Les articulations sont déjà ready. Puanteur douceâtre se dégage, il est déjà en train de pourrir. Et là, c'est écrit quoi? Prouve que t'es un homme, plonge ta main... Ah, dans la gorge de son flic. T'es sérieux, là? Rébellion, comment ça, rébellion? Pourquoi ça est fermé? Faut vraiment que je fasse ça. Oh. Oh. Oh, je vais vomir. Oh, c'est la clé serpent. Ah, c'est la clé serpent. Cette petite chose va t'aider à trouver les 2 cartes d'accès dont tu auras besoin pour participer à notre petite fête. Tu dois gagner ton billet d'entrée, Ethan. C'était dégueulasse. Oh là là, ouais, ça m'a retourné le bide, là, le truc, là. Ah. Oh. On a mis sa main dans sa gorge. Ah ouais, non, mais c'est pas dans sa... Enfin, c'est plus que dans sa gorge, là, c'est... Oh non, il y en a encore un. Il y en a 2. Ah! Putain! Oh non! Oh non! Oh non! Il peut... Oh putain! Ah non, j'ai cru qu'il y en avait 2, mais il y en avait qu'un. Par contre, là, ça... Ah putain, il y a un truc là. Je peux... Ah! Oh non, si, il y en a un autre! Oh putain! Ah, je vais... Oh putain! Un énorme bouton, quoi. Mais quoi, la porte est ferme? Mais what? C'est pas encore Thanksgiving, pourquoi on fout la tête? J'ai plus d'essence, mais non, j'ai plus rien. Par contre, il y a un truc là. Voilà. Ça, c'est bien. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais... Alors, attendez, la clé serpent, elle est là-bas. Faut que je passe par là. C'est bon là? Vous allez arrêter de popper? Oh là là, et c'était pas comme ça avant. Ah! Ah! C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est pas... Ah putain, il est là! J'avais pas compris!
Alors par contre, non, ça va pas le faire. C'est bon. Par contre là, faut que je me fasse ça et que je me soigne. Clairement pas de protéger MDR. Ah ben écoute, ça protège un petit peu quand même, hein. Ça protège un petit peu. Et moi je dis que c'est mieux que rien. Ok. De toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai que ça. Ah du coup c'est là la clé serpent. Mais attendez, y a pas des trucs à récupérer là? La poudre à canon. Ça peut m'aider parce que j'en ai déjà de la poudre à canon, mais quelqu'un qui a dormi ici. Oh mais c'est dégueulasse. Vraiment rien que je peux récupérer. J'ai pas. J'aimerais bien des balles moi. C'est pas de la poudre à canon que je voulais, c'était des balles. Tu restes en lurk, Matt, devant ce que tu vas faire. Merci beaucoup pour ton lurk, Spikey. Merci. Les mains, c'est le bouclier, exactement. Si c'est du main. Non, j'en veux pas de ta charcuterie. Mais j'ai rien. J'ai que dalle. Ah, il y a un truc de... Voilà. Mais attendez. Ah mais si, on peut... Mais je suis... Je comprends pas. On était déjà passé par là. On n'est pas déjà passé par là. Moi je crois bien que si, hein. Bah j'en ai besoin... Il y a une autre clé serpent peut-être, non? À utiliser. Ah oui, là-haut. La chambre d'enfant. Oh punaise. Faut que je remonte tout en haut en fait. Ah, par les escaliers là-bas peut-être. Je passe par là. Ah, c'est quoi? C'est quoi? Putain. Ah mais si. Si si, il y avait un monstre là. Regardez-moi ça, il est juste derrière. Putain. Enfin, un problème quelque part dans le jeu là. Est-ce que je peux pas passer par autre part? Sinon je peux faire tout le tour. On va essayer de faire tout le tour. Oh, c'est peut-être pas une bonne idée de passer par là aussi, hein. Non mais il peut pas ouvrir la porte, on est d'accord, hein. Eh oh, oh, tu te calmes. C'est beau. Il s'est pris pour la fée clochette. Comment ça la fée clochette? Sauvegarder.